Salut les gars et bienvenue à vous dans la deuxième vidéo de la journée. La première arrivera dans le désordre, mais j'ai dû mettre en pause le montage pour vous sortir celle-ci parce qu'on a eu une annonce assez tardive de la part de Rockstar Games. Sans plus attendre, on va lire tout ça et réagir en même temps à cette annonce assez étrange de la part de Rockstar Games. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Prochaine mise à jour de Red Dead Online. Dans le cadre de la mise à jour estivale de Red Dead Online, de nouvelles aventures illégales seront disponibles pour ceux qui ne sont pas trop regardants sur la morale. Vous pourrez par exemple braquer des propriétés à travers les 5 états en mode exploration, mais aussi trouver de nouvelles possibilités pour vous enrichir, et comme toute bonne opportunité, celle-ci ne requiert aucune avance de frais. Bon déjà, avec cette phrase les amis, on sait d'ores et déjà que le contenu sera gratuit. Les braquages de propriétés me font rappeler un petit peu l'émission de Telegram, qui était aussi gratuite, je vous le rappelle. Par contre la seule différence, c'est que ces missions se passeront en mode exploration. Doit-on comprendre que ce sont des missions d'inconnus ou un nouveau type de mission? Franchement, l'étau se resserre, on ne sait pas les amis. On a peut-être affaire à la plus grosse banane du siècle. Ma parole, je suis désolé les gars, mais là je suis obligé de partir en fou rire. C'est une blague. Non, franchement, pas maintenant Zizou, pas après tout ce que t'as fait. Plus sérieusement, là s'ils nous sortent un contenu gratuit, j'ai une seule peur les gars, c'est que ça soit un contenu bâclé. Ils nous précisent qu'on aura de grosses récompenses. J'attends vraiment un très gros contenu pour cette mise à jour. Je vous le dis les gars, j'essaie de rester un maximum optimiste. Avec cette annonce, c'est assez difficile. Je suis assez perdu, je vous mens pas. Bref, on continue. De plus, vous pourrez découvrir lors de cette mise à jour un nouveau club proposant des récompenses. Plus de détails prochainement. Voilà, pour moi là c'est le pass de hors la loi. En tout cas, en résumé les amis, contenu gratuit de ce que j'ai compris. Moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle, dans le sens où ils peuvent sortir un contenu totalement gratuit, le bâcler. On verra bien ce que nous proposera Rockstar Games. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vidéo très très courte les amis, on en parlera en détail un petit peu plus tard. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement pour la vidéo des nouveautés de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Peace.